Et salut tout le monde, c'est Anton. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler d'un petit traître en Tunisie qui s'est ramené il n'y a pas très longtemps. Donc on peut voir qu'il en a fait quelques frais. Donc je vais vous raconter son histoire tout de suite. Mais juste avant, on va vous montrer le grand point d'amélioration du pays. Donc voici le projet en question. C'est un canyon donc qui permet de séparer la Tunisie du nord et la Tunisie du sud. Donc ça délimite une grande île qui va bientôt être aménagée dans les prochaines vidéos, qui nous permettra de faire comme le Mont Saint-Michel, mais en Tunisie. Fallait aussi aménager les bords, donc comme vous pouvez le voir là, j'ai aussi aménagé une petite plage à palmiers avec un petit banc. Donc là, je vais vous parler de l'histoire du traître. Donc le traître est un player que j'ai recruté il y a pas longtemps en Tunisie. Alors, je ne sais quel moyen de TNT illégal, il a réussi à voler tout ce qu'il y avait dans ce shop, en cassant les item frames et en pétant les vitres. Il a aussi volé 2-3 petits trucs au nord, mais heureusement j'ai pu sauver les trucs en onyx. Pour moi, qui c'est quand même les trucs qui ont le plus de valeur. Donc, suite à ça, on s'est bien vengé avec l'aide de MCO. Et je pense qu'on a récupéré tout le stuff qu'il nous avait volé. Et je vous raconte la suite de l'histoire juste après. Donc vu qu'il avait plus de pays, après il a rejoint l'Empire français. Donc comme vous pouvez le voir là, on a lancé une guerre contre l'Empire français. On leur a envoyé un antimateur, ils n'ont rien compris. Et du coup, bah, leur pays a un petit peu sombré. Et je crois qu'ils sont à peu près tous morts dedans. Bon, par contre, faut faire gaffe, évidemment, si je me fais... Ah, ok. Ah, vous y avez cru? Ah bah non, parce qu'en fait, moi j'ai pas trop le budget pour en acheter un. Donc en vrai, ça c'était pas nous. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles de la Tunisie et pour sûrement un hors-série qui va bientôt sortir.